Salut, moi c'est Mister Xerti, alias Brice Chapelet, j'ai 27 ans, j'habite à Clichy et je suis graphiste illustrateur freelance. Alors mon parcours, en fait, je suis autodidacte principalement, j'ai quand même fait une formation, après avoir fait des études à la fac en fait en géographie, cartographie, qui a rien à voir. J'ai fait une petite formation professionnelle, après j'ai fait un stage en entreprise de 6 mois et ensuite j'ai enchaîné un CDD puis freelance. Il y a ça 3 ans. Je commence à vraiment développer un style illustratif, mais avec de la photo, donc ce qu'on appelle la photo-illustration maintenant. Je dessine, mais je suis pas un ouf du dessin, c'est-à-dire je prends pas un crayon, je fais pas un portrait de quelqu'un, quoi. Par contre, j'ai toujours eu un peu le souci des proportions, je faisais un peu de graphe, voilà, je faisais des trucs marrants, les potes ils aimaient bien, ça m'a encouragé à continuer, puis un jour on m'a mis Photoshop entre les mains, et là ça a été révélation directe, et j'ai vu qu'on pouvait faire de l'illustration avec des photos, quoi. Mes influences, ça sera pas mal le cinéma, la BD, le graffiti aussi, puisqu'à un moment donné je faisais pas mal de graphes avant d'être dans le graphisme. Et donc le cinéma, j'ai des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme Terry Gilliam, Tim Burton évidemment, Jean-Pierre Jeunet, grosse influence aussi quand même sur le style steampunk et tout. Puis la BD aussi, donc là ce sera plus Anki Bilal, Mobius, Repose en paix. Je viens d'un milieu assez musical, donc j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire en faisant des flyers pour des potes, en faisant des pochettes. Et donc là, je continue d'en faire, mais c'est plus une petite partie de mon travail, quoi. Et du coup, maintenant, je suis plus dans la presse, en fait. Je fais beaucoup d'illustrations pour les magazines. Et genre Science et Vie Junior. Je fais pas mal de trucs pour le magazine Que Choisir, pour l'INRS, pour la société Oracom. Des tutoriels, des couvertures pour eux. Et puis là récemment j'ai fait des couvertures de livres. Donc ça je suis super content, j'ai fait des couvertures pour des livres comme Le Tour du Monde en 80 jours. Et je travaille aussi un peu dans la pub, à l'occasion. Style, franchement, je le définirais par plus mix média en fait. J'utilise vraiment plein de techniques, c'est-à-dire que je mélange des montages photo avec des textures, avec des formes vectorielles et récemment de la 3D, donc des formes assez basiques, mais voilà, ça habille bien le truc. Et au final, mon style, je pense qu'on peut le qualifier de assez déjanté, quoi, assez fou, très coloré. Est-ce qu'il y a un process? Alors franchement, ouais, je te dirais qu'au bout de 5 ans, il y a un process, quoi. Même si j'essaye de pas trop me le répéter, ça m'arrive encore de partir en freestyle. Mais franchement, il y a quand même des trucs que je respecte pour aller plus vite, pour être plus pro. Et puis à force de bosser pour des clients, on prend des habitudes et du coup, on a une manière de construire étape par étape. Donc ça peut être d'abord le photomontage et ensuite, je travaille énormément mes fonds, en fait. Et après, je retouche le photomontage avec des petits détails en ajoutant des petits trucs. Les outils que j'utilise, donc bah, c'est Photoshop principalement. Ensuite, il y a Illustrator. J'utilise pas mal pour les formes vectorielles, donc ça va être 30% de mes créas, quoi. Et ensuite, c'est 4D, quoi, pour quelques formes géométriques, des typos en 3D. Pour la collection Ten, mon thème était mobile, donc j'ai commencé par chercher masse de photos, en fait, qui pouvaient me mettre à l'aise pour des photomontages, qui aient de l'impact. Et ensuite, j'ai commencé à voir ce qui fonctionnait ensemble en faisant une deuxième sélection chez moi sur mon PC, on va dire, au-delà de la sélection sur le site. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des montages, dont le montage principal, en fait, je voulais qu'on soit dans une créa où on rentre dedans, où il se passe plein de choses, où il y ait plein de détails, plein de petits trucs un peu techniques et surtout plein de photos pour que les gens ils puissent kiffer en voyant, téléchargeant le PSD, quoi. Au niveau du process de création, en premier lieu, je suis parti sur un fond, quoi. Donc, je voulais un truc qui soit coloré, enjoué, sunshine, quoi. Donc, j'ai fait un fond ciel bleu avec une plage et des dunes, parce que j'adore tout ce qui est désert. Je trouve ça rend vachement bien le contraste entre bleu et la couleur crème sable. Et ensuite, j'ai intégré cet élément donc de profondeur du ponton qui va vers le téléphone. Donc ça, ça a été grosse session de détourage pour le ponton. Et pour le téléphone, j'ai ajouté pas mal d'effets, en fait, après l'avoir détouré. J'ai mis des petits filtres par-dessus, c'est-à-dire, par exemple, le filtre de contour lumineux, qui accentue un peu les contours blancs, donc la lumière au niveau du téléphone. J'ai changé l'écran en ajoutant des photos, des teintes différentes. Puis ensuite, j'ai attaqué le reste, tous les petits détails, quoi, tous les petits clins d'œil au téléphone mobile.
Donc les cartes SIM qui volent avec un flou directionnel pour faire une sensation de vitesse, des flous gaussiens, des ombres, beaucoup d'incrustations dans le ciel pour le pimper un peu quoi. Il y a la colorimétrie, donc ça c'est important. Donc ça je l'ai fait quand même assez rapidement parce que j'avais déjà mon ciel. Du coup ça m'a donné direct l'orientation de la couleur. Et puis après j'ai ajouté les mouettes qui ont des petites traces d'effets derrière elles quoi. Donc effets lumineux faits avec Photoshop, dessiné à la main, après des flous directionnels, filtre de torsion pour leur donner de la dynamique. Pour finir ma création, donc, j'ai géré les ombres et lumières et donc j'ai fait des masques d'écrétage par exemple sur les personnages. J'ai mis le calque en mode incrustation, donc calque que j'avais peint avec la tablette. Un petit coup de blanc pour le côté lumineux, un petit coup de noir pour le côté des ombres. En atténuant l'opacité et en faisant un mode incrustation. Donc au niveau des projets à venir, donc il y a deux expos, une expo collective dont je peux pas trop parler, et une expo qui s'appelle Pimp My Vinyl, quoi, voilà, customisation de vinyle et de la pochette. Et ensuite au niveau perso, bah continuer à être freelance et sans doute une prochaine expo d'ici 6 mois quoi. Un grand merci à donc, l'équipe de Photolia, à Thomas de Anka Shop et puis à l'équipe Gangcorp pour la vidéo et le montage.